qui doit contrer, c'est plus facile. C'est deux, trois passes vers l'avant avec de la course. Ce n'est pas du tout le même travail. Donc nous, c'est tout ce qu'on demande. D'avoir une pelouse, c'est quand même exceptionnel. Après, on va peut-être penser, le coach, il est trop exigeant d'avoir juste mon terrain de football. C'est tout ce qu'on a demandé. On n'a jamais demandé autre chose. Ben, apparemment c'est trop demandé, ça. C'est trop demandé. Ça veut dire jouer à domicile, ça va devenir presque... Je ne sais pas si c'est un avantage de jouer à domicile. On a le Jomol qui vient, on a une magnifique enceinte qui a mis du temps à voir le jour, mais on n'a pas l'essentiel. Vous vous rendez compte que quand vous jouez chez vous, vous ne jouez même pas, vous ne vous entraînez même pas la veille du match pour prendre vos repères. Quand on n'a fait qu'un match, cette équipe nationale n'a fait qu'un match dans ce stade-là, qui était censé, soi-disant, être pour l'équipe nationale. On est la seule équipe du pays, club et équipe nationale comprise, toute équipe nationale comprise, à avoir joué qu'un match. Comment on peut avoir des repères là-dessus? Et là, même la veille du match, on ne peut pas s'entraîner dessus. Non, c'est pas entraîner dessus. À Annaba, c'était pareil. Quand on a joué la Tanzanie, on ne peut pas s'entraîner pas dessus, sinon c'est au risque de la dégrader un peu plus. Donc, on reste à Sidi Moussa et nous, voilà. Et tu découvres la pelouse chez toi, à domicile. C'est pas normal, ce truc-là. Donc, les gens, il faut qu'ils prennent un petit peu leurs responsabilités, donner une pelouse qui convienne. On voit un petit peu contre le Cap Vert à Constantine. À partir du moment où on a juste une pelouse, juste un peu meilleure, il y a un football différent. Et pourtant, le Cap Vert, c'est d'un autre niveau, que la Somalie. Mais voilà, on a la possibilité de pratiquer le football que l'on veut mettre en place, qui est notre identité. Donc ça, c'est pas une excuse. Un terrain, ce n'est pas une excuse. C'est une réalité. On n'a pas ça. Et c'est problématique. Et jouer à domicile maintenant, ce n'est plus un avantage.